Bienvenue sur Tesla 3. Aujourd'hui, je suis très heureux de remplir cette rubrique internationale. J'aime beaucoup voyager. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va convoyer un véhicule. Alors, c'est pas une Tesla. C'est une Polo. Là-bas, il y a une belle Panamera, une Carrera 4S. Mais nous, c'est une Polo. Alors, première impression en rentrant dans ce ferry, ça pue le gasoil. Ça pue le gasoil, c'est infernal. Nous sommes le soir et je vais vous montrer à quel point le bateau est vide. C'est impressionnant, presque effrayant. On se croirait quasiment dans un bateau fantôme. Je vous laisse juger par vous-même. C'est vraiment un sale virus, ce Covid. Voilà, sortie du ferry, et tout de suite, on se donne rendez-vous à Dunleary, c'est la banlieue de Dublin. Vous voyez ici, c'est un petit port, très sympa, on va aller dans un restaurant. Première Tesla rencontrée, une Tesla Model 3. Je vais vous montrer. Première Tesla, ici, c'est une Dual Motor. Alors, il est bien le volant est bien à droite. Et c'est surtout pour vous montrer la facilité de charge. Vous avez ce poteau qui, à mon avis, est mis à disposition de n'importe quelle personne qui se gare. Alors, le stationnement est payant. En revanche, la charge semble être gratuite. Puis, il y a des petites icônes, je vous montre. PayPal, Mastercard. Mes deux souvenirs, quand j'étais allé en Écosse, on rentrait des identifiants cartes, mais quand c'est à l'essai, a priori c'est encore à l'essai, c'est gratuit pour le moment. On pourrait laisser ces voitures se charger. Je montre. La belle Tesla Model 3, elle est propre. Hein. Voilà, donc Dunleary, banlieue de Dublin, première borne qui facilite la charge de nos petits véhicules électriques. On va déjeuner. Ici à Dunleary, the place to be, c'est the Fresh Fruit que vous voyez ici, mais malheureusement pour cause de Covid, il est fermé. Donc on va chercher autre chose.
Mais après le Covid, si vous voulez vraiment un endroit sympa, c'est là qu'il faut aller, 40 Foot. Si vous êtes à Dunleary et que vous n'avez pas votre véhicule électrique, vous avez toujours possibilité de louer un vélo électrique. Voici les vélos. Ça ressemble à des VTT, VTC, voilà, je vous montre le QR code. Donc sympa, possibilité. Je ne sais pas, je ne vais pas en louer parce que on a d'autres choses de prévues. Mais sachez que c'est une option. On continue notre petite trip à une heure environ de Dublin, au sud de Dublin. Eh bien, c'est à Wicklow qu'on se retrouve pour ce parc naturel. Un parc qui n'est pas très connu par les touristes français, mais un parc qui vaut le détour quand même, vous allez le voir. C'est beaucoup moins connu que le Connemara, que le nord de l'Irlande, mais c'est sympa quand même. À découvrir. À Bray, aussi comme à Dunleary, vous avez des emplacements pour véhicules électriques. Alors vous voyez ici, il y en a deux qui sont inoccupés. Preuve aussi que l'électrique n'est pas très développé ici en Irlande. Et vous voyez ici une borne avec des prises de type 2, un écran, plug bay available, show card. Alors apparemment, il faut une carte. Charge point, je sais pas si c'est compatible charge point et charge map. Et voilà, vous avez deux prises et deux charges possibles pour pouvoir garer votre véhicule et aller jouer au casino. Renseignement pris, c'est bien une borne compatible charge map et c'est gratuit 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc sympa. L'argent que vous économisez en recharge de batterie, bah vous le dépensez au casino. Bon, l'Irlande peut être belle, mais ça n'empêche pas certains individus, certaines jeunes filles à vouloir donner fin à leur jour. On a dû intervenir là-bas. Elles nous demandaient quel était l'endroit le plus profond. Voilà, la police intervient. Un peu déstabilisant comme situation. Alors, retour à Dublin. L'offre de stationnement n'est pas exceptionnelle. Vous trouvez des chargeurs parfois dans les parkings, ou parfois comme on l'a vu dans la ville précédente, en bord de route. Un peu comme à Paris, parfois le stationnement est gratuit pendant 45 minutes. Vous payez la charge, mais vous ne payez pas le stationnement. Faut savoir que le stationnement est très difficile à Dublin, très cher. 45 minutes de gratuité, ben c'est toujours bon à prendre.
quartier de Temple Bar. C'est un quartier où il existe un bar qui s'appelle le Temple Bar. Et je pense que c'est les quartiers qui portent ce nom-là grâce à ce pub historique. C'est assez bizarre de... Je suis venu ici il y a quelques années. Il y avait beaucoup de monde. Et là, le problème, c'est toujours le même, le Covid. On est sur le Halfpenny Bridge. Le Halfpenny Bridge, c'est un pont qu'on devait payer à l'époque, jusqu'en 1919, un demi-penny, le nom Halfpenny Bridge. Maintenant, c'est heureusement gratuit. Symbole de la ville de Dublin, c'est ce mât qui est en plein centre en fait de l'espace commercial, juste à l'intersection de la voie piétonne et du grand boulevard. Outre un monument, c'est aussi un excellent point de repère quand vous vous situez un petit peu partout dans la ville. Vous voyez le haut de ce mât et ça vous permet de savoir exactement. Nous sommes dans le quartier du Canal, on va parler un petit peu véhicules électriques. Alors on voit pas énormément de Tesla, j'ai vu une Tesla Model X, j'ai vu la Model 3 que vous avez vue en charge. Et là, chez un propriétaire, visiblement, il y a une Tesla Model S. Alors lui a pris l'option, il a la chance, hein, il a pris l'option d'installer une borne, je sais pas si vous la voyez ici, une borne à domicile. Et d'ailleurs il va avoir un petit peu de mal à sortir. C'est pas un pays qui accueille facilement les véhicules électriques, enfin qui les accueille. On n'est pas forcément motivé à acheter des véhicules électriques. Je pense qu'il n'y a pas d'incitation du gouvernement pour acheter ce type de véhicule. Et en dehors de ça, les bornes ne sont pas légion ici. Il y en a, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ChargeMap, vous pouvez en trouver facilement. Mais il faut quand même les chercher, on n'en trouve pas comme ça. Et même au niveau des habitations, peu d'habitations sont quand même équipées de ce genre de matériel. Voilà. Donc Dublin, pas une ville entièrement dédiée aux véhicules électriques. Ah oui, ce que j'ai aussi omis de vous dire, c'est que le stationnement ici est très cher. C'est aux environs de 4 euros de l'heure. Dublin. À l'hôtel où on est, on peut séjourner, on peut laisser la voiture 24 heures. C'est 40 euros. 40 euros les 24 heures. Et si après tout ça, il vous passait par la tête d'acheter une maison sur Dublin, sachez que c'est quand même les prix d'une capitale. Cette maison, moi, par exemple, 240 mètres carrés, est vendue pour 1 300 000 euros. C'est trop cher pour vous. Il y a cette modeste demeure pour environ 120 mètres carrés, est vendue 560 000 euros. Bon, désolé, j'aurais dû faire la conclusion depuis l'aéroport, mais il était 6h du matin avec un vent terrible. L'image et le son étaient exécrables. On conclut donc en léger différé pour vous dire que j'adore l'Irlande, et particulièrement Dublin. Franchement, c'est une capitale très sécure. Il est très facile de s'orienter et de trouver un moyen de transport dans les quatre coins de l'île. L'Irlande est un pays verdoyant, très verdoyant, mais pas encore suffisamment vert en termes d'environnement. Il faudra encore un peu de temps pour convaincre un nombre important d'Irlandais de se convertir à l'électrique. Mais la petite taille du pays me dit que ça devrait être assez facile. Les bornes de recharge existent, mais il faut les trouver. Si vous voulez y venir avec votre véhicule électrique par le ferry, c'est tout à fait possible, vous l'avez vu, depuis Cherbourg, et peu coûteux selon les périodes. Je vous mets les liens dans la description. Je vous rappelle que j'ai fait un voyage en Écosse l'an dernier, jusqu'à Inverness, pour ceux qui connaissent, sans jamais avoir eu de soucis de recharge. Prochain pays envisagé, dans cette période difficile, peut-être les Pays-Bas, l'autre pays des Tesla. Mon ambition est bien sûr aussi d'aller aux États-Unis, au Canada, quand la situation sera moins contraignante. Il y a également d'autres projets envisagés avec le... Est-ce que je peux le dire? Allez, je le dis quand même. Avec le Cybertruck, si malgré tout il est disponible en Europe, vous le savez, j'ai précommandé le Cybertruck.
c'est aussi dans un objectif de pouvoir explorer le monde. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous en saurez plus tard dans mes prochaines vidéos. Mais concentrez-vous sur cette rubrique internationale, elle est faite pour vous, pour ceux qui aiment voyager et ceux qui aiment découvrir l'électromobilité dans les pays du monde. Ah, je sais, ça change un petit peu des tutos et de reviews, mais ça peut en intéresser un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les pays que vous aimeriez visiter avec votre véhicule électrique, hein, quel qu'il soit. Je vous rappelle qu'à Inverness, j'ai croisé des Zoé, donc des Zoé petite autonomie. Comme quoi c'est possible de voyager assez loin quand même avec un véhicule électrique. Donc je disais en commentaire, n'hésitez pas à me mettre le pays que vous souhaiteriez visiter, également ce que vous souhaiteriez connaître pour pouvoir facilement le visiter sans avoir les contraintes liées à votre véhicule. Je le note, j'ai d'ailleurs oublié dans cette vidéo de me renseigner sur les applications qui étaient fournies en Irlande pour pouvoir trouver facilement les recharges. On a tous ChargeMap sur notre téléphone, sur notre application, mais ChargeMap ne recense pas forcément toutes les bornes. Dans les prochaines vidéos, je m'efforcerai de demander à des citadins qui utilisent le véhicule électrique quelles applications ils utilisent. Et je le mettrai en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voyager dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir. Je vous promets de faire des retours à chaque fois que je visiterai un pays. Pour la petite histoire, j'en ai déjà visité 40, mais ce n'était pas en véhicule électrique. Donc je recommence. Comme vos batteries positivées et portez-vous bien. Ciao, ciao !